Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville. Donc encore une fois, j'ai la fenêtre ouverte, mais là c'est encore pire parce qu'elle est grande ouverte et que le volet, enfin le rideau plutôt, puisque j'ai pas de volet, est pas tiré du tout devant, donc vous allez avoir plein de bruits parasites, tout ça. Mais vu que je suis en train de mourir de chaud, ça va rester ouvert. Donc déjà, on va commencer ce petit épisode par un montage. Donc là, vous allez avoir un petit montage de ce que je viens de faire pour nous avancer un petit peu pour arriver là. Et on se reprend juste après ça. Forcément, la première étape, c'est qu'on va planter quelques pommes pour gérer un peu la nourriture avant de partir ailleurs et voir ce qu'on va faire ailleurs. Donc là, bah forcément, hein, on va retourner un petit peu la terre, et puis une fois qu'on aura retourné un petit peu la terre, on monite un petit peu le progrès des héros dans tout ce bazar de grottes et tout ça, entre les cul-de-sacs, les grottes qui s'ouvrent, les passages bizarres et étranges et variés, tout ça, tout ça. Donc voilà. Y'a fait des graffitis sur la muraille d'en face. J'ai dessiné l'ennui sur les coussins moelleux d'un bordel la pas chère. Avec le fun forcément de tous les mobs qui remontent quand les héros les lâchent lamentablement en faisant « Non, c'est pas moi, j'ai mal, je veux pas, en fait j'ai faim, non, j'ai sommeil, ah bah je vais me casser, tiens, bah, je vais laisser tous les trucs ici. » Et donc ils remontent tous et ils se mangent tous les pièges. Et on peut se voir qu'ils se mangent, comme je le disais la dernière fois, une seule ligne de piège. C'est génial, dis donc, mais tellement c'est bien placé. À l'hôtel de passe, il y avait des graffitis sur la muraille d'en face. J'ai dessiné nos nuits, la lune se cachait dans le verre de tes yeux. J'étais bien allumé, chacun fait ce qu'il peut. La balle d'un revolver s'est trompée de malheur. Tes cheveux noirs par terre aux dernières lueurs. De passe, il y avait des graffitis sur la muraille d'en face. J'ai dessiné nos nuits, j'ai dansé la salsa avec une fille de bas. J'ai dansé la salsa avant qu'il ne soit trop tard. Tu étais la tendresse, moi j'avais beaucoup bu. C'était nos soirs d'ivresse. Et voilà, c'est la fin de notre petit montage sur la fin d'exploration des grottes. On va se mettre à commencer cet épisode réellement, là, d'un coup, tout de suite, avec un super camion qui passe à côté dans la rue. Mais c'est pas grave, on fait avec. À la fin, on s'habitue. Hein, c'est ça, à Paris, c'est génial de vivre sur une avenue, au croisement de deux avenues et des boulevards. Ça, il y a toujours des gens qui klaxonnent et tout, et puis en plus, j'ai je sais pas combien de CHU à côté. Là, c'est un miracle, en fait, sur les 25, 30 et quelques minutes d'enregistrement de l'épisode, il n'y a pas une seule ambulance qui est passée, ou les flics, ou n'importe quoi, enfin, des trucs qui font bam, bon, mais qui sont intervenants. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Donc voilà, maintenant que vous avez vu le petit montage, on peut regarder ici, ça finit d'explorer par là, cette petite pièce est fermée, ça s'est fermé, ça s'est fermé, ça s'est fermé, ça s'est fermé, tout est fermé ici. Donc là, pas de bol. Donc c'est tout fermé comme ça, ici on pourra pas continuer par là. Là c'est tout fermé ici, là c'est tout fermé, ah. Et là, c'est ouvert encore un petit peu par là, donc ça va pouvoir avancer un petit peu, là, genre ici, un petit peu en haut. On va peut-être pouvoir couvrir un petit peu par ici. Il y a peu de chance de revenir par là, tout ça, sinon il va falloir continuer à faire des trous pour aller visiter le reste, en fait, hein, tout bêtement. Ou alors on le visite pas et on descend directement à l'étage inférieur, ça je ne sais pas encore. On va bien voir ce que ça va donner à cet étage-là. J'aimerais bien l'explorer un petit peu pour voir si je peux pas trouver des choses sympas. Voilà, j'ai déjà trouvé un truc sympa dans celui-ci. Il y a un camion qui passe, donc vous devez sans doute l'entendre. De la pierre dense ici. Et puis là, bon, il y a du charbon et du fer, mais ça, on s'en fout, aucune importance.
je voudrais trouver des trucs vachement mieux que du fer, parce que bon, le fer, hein, au bout d'un moment, on n'en veut plus. Donc là, vous voyez, 43, j'ai des vitoyens qui ont emménagé dans ce qui restait ici. Normalement, au niveau nourriture, c'est juste, mais ça se fait. Là, j'ai replanté des pommes ici, donc vous avez vu, hein, pendant tout le montage, j'avais cette fenêtre ouverte, puisque j'ai passé mon temps à monitorer le pain. Donc là, ça me plaît pas beaucoup quand même, parce que c'est un peu juste. J'aimerais bien qu'ils se mettent à utiliser cette boulangerie là aussi. Je suis en train de me demander en fait que si... Ouais, non, en fait j'ai pas envie, puisque si je ferme tout ça, est-ce qu'il y aura des problèmes? Il faudrait surtout que je détruise les trucs. Là, il y a Malkin qui est en train de faire activer tout le monde avec son point d'exclamation, qui est en train de taper les gens à coups de point d'exclamation. Et Ronald qui est en train de défoncer la tronche des trucs qu'il y a par ici. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, bon étage, voilà. Donc là, ils ont explorationné tout ici, tout ici, tout ici, tout là, tout là, tout ici, tout là, tout là. Bah là c'est fini aussi. Bah, là ils peuvent aller encore un petit peu par là. Sinon là c'est fini par là et par ici. Forcément, hein, vu l'IA des super mobs et tout ça, ça va prendre des milliards. Ouh, il est niveau 9, lui il risque de crever. Non. Bon, il y a un chien qui vient d'aboyer, tout ça, hein, c'est un Dire Wolf du jeu. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que vous n'avez pas la musique du jeu. Bah c'est pas grave, je la remplacerai par une autre musique. J'ai un peu la flemme d'aller l'activer tout ça, puisque bon, quand j'étais en train de faire autre chose et de le mettre, forcément c'était autre chose qui était en train de se jouer, ce n'était pas la musique du jeu, puisque bon, je pense qu'on est tous d'accord, au bout d'un moment on n'en peut plus de la musique de ce jeu là, mais on n'en peut juste plus du tout, du tout. Bah, donc du coup bah, je l'ai arrêté. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. De toute manière, vu que c'est déjà tourné, vous pouvez m'en vouloir, mais ça ne mettra pas la musique du jeu. Hein. Si vous voulez vraiment beaucoup, je vous ferai une vidéo de 10 heures avec la musique du jeu. Hein. Rêvez pas, je le ferai jamais, mais si je dis que je le ferai, c'est comme tout. Hein. Quand on dit qu'il met une notation hein, dans une vidéo, on le fait jamais au final. Donc là, c'est exactement la même chose, je le ferai ou pas. Donc là, il reste un peu exploré ici. Un peu exploré ici. Merci, Jocelyne. Jocelyne Boivin, très gentille jeune fille. Très ouverte dans son approche d'éclatage de mobs. Vraiment à recommander comme exterminatrice de trucs, de choses et de machins et autres bidules. Donc le pain, c'est la galère, mais ça y arrive quand même à peu près. Il y a un peu de farine dans mes tonneaux, il y a un peu de farine. Donc ça c'est bon. En même temps, je plante des pommiers parce que maintenant qu'ils sont 7 millions les vitoyens, ça va commencer à devenir utile d'avoir des réserves de nourriture alternative en cas de famine avérée ou en train de se faire. Ça c'est bon, ça c'est bon, bah ça c'est parfait. Tout ça c'est parfaitement parfait. Je suis en train de me demander, ça c'est plein, 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 lui il a même pas de mur. Ça c'est plein, donc on va faire une chambre de héros en plus. On va faire un colloque à celui-là. Hop, on descend. Lower, lower, lower. Ta 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 dam. On descend tout le terrain par ici. Et comme ça, on va faire un colloque à ce héros-là. On va pas lui faire une stockpile, ça craint. Tavern room. Tiens, un colloque. On va vous faire un petit lit quand même, parce que hein, on n'est pas des gros rapias. Je suis juste qu'un petit rapia. Hop, et je vais faire une porte. Et un mur, un mur, un mur, un mur. Hop, et ils vont... Bah non, je vais pas faire le mur dans la chambre de l'autre pèlerin, enfin quand même, franchement. Il y a des limites, hein. Mais non, pas ici non plus, là. Ah là, et là vous allez voir que j'ai pas cliqué la même couleur de mur que ce que j'ai cliqué précédemment. Enfin, je le sens bien venir, bien profond ce truc. Et donc voilà, ils explorationnent. Donc là c'est explorationné, là c'est en cours d'explorationnement par Arvdar Boissel, Zelf niveau 20. C'est très sympathique.
aidé de Ty Balfitzog. Quelque chose, niveau 5. Et les Direwolves crèvent à ne plus savoir quoi en faire parce que les Direwolves, c'est fait pour crever, de même que les gobelins, les araignées, les petites araignées et tout ça. Hop hop hop. Ah ah ah, du fer, voilà, le fer. Ça ne sert à rien. Tybal Fitzburg est mort. Oui, il servait à rien. Ah, on va dire ça. Ah. Arvder explore par ici. Il y avait sûrement rien à explorer. Il remonte. Hop, et là, est-ce qu'il reste du caillou? Oui, donc c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Arkel est arrivé ici, donc il va falloir faire encore une chambre de héros en plus, mais on va la faire en sous-sol. Une taverne room, ici. Avec une petite porte en os. Oui, je sais, on dit une porte. Et un mur. Donc on va faire un mur en bois, tiens. Parce que le bois, c'est cool, c'est réutilisable. Puis tout ça, tout ça. Hop. On va bien voir si un héros va passer, bien sûr. Enfin, je le verrai jamais s'il y en a un. Hein, ça, là, c'est évident, il va me falloir 7 millions d'années pour me rendre compte qu'il y en a un qui est arrivé. Mais c'est pas grave. Du pain, on en est où sur le pain? 13 baguettes. Ça va, peut mieux faire, mais déjà ça va. Alors là, il n'y a plus personne qui explore, c'est ça la blague, c'est ça la blague. Ta-ta-ta-ta-dam. Non, bah c'est pas mal ça. Pum pum padam, pa-pa-pa-pa-pam. Robin Bourguignon. Bourguignon. Il n'y a pas de R dans son nom. Un gentil Schwarzwald. Allez, t'appuies la tronche. C'est bien, t'auras droit à un câlin. Alors ça, ça continue par ici. Ça, ça continue. Arnkel est content. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau zéro ici? Non. Donc du coup, je pense que je suis au maximum de mes zéros là. Ce qui en soi est pas mal. Alors non, ils sont en train d'explorer complètement de l'autre côté, c'est vrai. Hop. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, même si on a d'autres, on l'explorera pas, on descendra directement à l'étage d'en dessous. Et puis j'étais en train de jouer aussi à la version 0.5, on va attendre que le jeu arrive plus loin que la 0.5 en fait pour reprendre, puisque la 0.5 est je trouve beaucoup trop buggée pour faire un let's play partie commentée dessus. Donc pour le moment on va rester avec celle-là en espérant que la V-Ville ne crève pas trop vite là-dessus, mais ça a l'air d'aller puisqu'on fait du pain, on a des héros qui défoncent les petits cul-de-sac. On a des héros qui défoncent les méchants trucs dans les sous-sols. Donc ça, c'est très 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 bien. Ah bah Arnkel, il galère. Ah bah non, voilà. Non, c'est très très bien. Donc comme ça, on visitera l'étage 7. Et puis, il nous restera plus beaucoup d'étages. Hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup... quand même plus beaucoup d'étages, hein. Là on arrive, on est au 6 ici, puis quand on va percer on sera au 7 et ça monte, ça monte. N'importe quoi, ça ne descend que jusqu'à l'étage 9 au final. Hein. C'est, il n'y en a pas, il y en a pas tant que ça. Et donc on va se laisser là-dessus pour le moment, hein. Je vais vous dire bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, etc, etc, etc. Hein. Tout le monde le connais bien ma fin, sauf mes nouveaux abonnés. Bah, si vous êtes nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue, et partagez donc la famille. J'ai pas de nom pour mes abonnés en fait. Donc, on peut lancer un petit concours, tiens.
trouvez donc un nom pour vous-même, les abonnés. Hein. On verra ce que ça va donner. J'essaierai de voir si je lance pas un prix éventuellement au nom que je retiendrai. À la fin, on verra. Bah, ça pourrait être l'occasion d'un petit concours. On verra, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Lancez déjà vos idées et si j'en fais un concours, bah, je sélectionnerai un gagnant et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Eh bien, à très bientôt pour un nouvel épisode, je cherche mon panneau, voilà. De la Véville. J'essaie de le mettre un petit peu bien. Parfait. Eh bien, à bientôt pour un nouvel épisode de la Véville. Take care. Si vous êtes encore là, hein, c'est bien, c'est cool, tout ça. C'est vu la fin de l'épisode. Merde ! Comme pas possible au début, mais ça, c'est normal, c'est habituel, tout ça, et puis voilà. C'est cool. Vous êtes encore là ? Hein ? Ici ? Là ? Au revoir. Salut. Au revoir. Bah, ça sert plus à rien de regarder, hein. De toute manière, il n'y a plus rien à la fin. Ah là, il y a un écran noir, hein. C'est noir. Ouais, c'est noir. Ça va pas changer. Non. Non, j'ai pas envie de mettre autre chose. Non. Peut-être, mais non. Non, toujours pas. Éventuellement, peut-être. Là, non. Ça me vient pas. Par contre, il y a une ambulance qui vient, là. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une ambulance qui vient. Ouais, elle est en train de se rapprocher, donc on entend un peu mieux. Là, elle arrive. Attention. Là, on l'entend. Là, il y a un sifflet. Donc ça doit être un truc de flic, en fait, plus qu'une ambulance. Là, il passe. Attention, ils vont se manger un piéton. Allez, un peu plus vite encore. Là, ils sont passés parce qu'on entend que ça change de ton. Au revoir. Voilà. Ça servait à rien, mais si vous êtes encore là, hein, vous savez qu'à me dire poivron, hein. Parce que le poivron, c'est bon.